Juste avant de commencer la vidéo, c'est pour vous dire que je fais un petit concours où je fais gagner donc une carte iTunes et Play Store tous les 100 commentaires sous la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, vous pouvez mettre ce que vous voulez en lien avec la vidéo. Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouveautés, des prochaines nouveautés mises à jour. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y aura donc bientôt des nouveaux coffres, des nouvelles quêtes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Donc voilà, on commence la vidéo. Go! D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Big 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler donc de la prochaine mise à jour qui va arriver bientôt. Donc là, on est fin septembre. Normalement, d'à peu près un mois, c'est-à-dire le mois d'octobre, donc fin octobre, on devrait se trouver avec une mise à jour assez incroyable. Vraiment assez incroyable. Donc il y aurait pas mal de nouveautés, comme par exemple une petite nouveauté qui va arriver, c'est-à-dire des nouveaux coffres. Il y aurait donc des nouveaux coffres très prochainement sur Clash Royale, comme vous l'avez vu donc sur le titre. Des coffres qui vont être assez stylés, vraiment assez stylés. Il y aura aussi des quêtes, donc des quêtes à faire chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour on aura des quêtes. Et bien sûr, alors on ne sait pas encore quels seront les gains, mais il y aura sûrement des gemmes pour chaque quête. Soit des gemmes, soit de l'or, soit des coffres. En tout cas, voilà, il y aura vraiment pas mal de nouveautés. Vraiment, ça a l'air vraiment du lourd. Donc, vraiment, là, pour l'instant, sur Clash Royale, je me suis remis un petit peu. Et je crois que ça va être vraiment du lourd, cette nouvelle mise à jour. Donc, voilà, normalement, en octobre, au mois d'octobre, vers fin octobre, donc dans, on va dire, à peu près un mois, on devrait donc avoir ces nouveautés, ces petites nouveautés. Donc, voilà, des nouveaux coffres, des nouvelles quêtes. Donc qui dit des quêtes bien sûr dit des récompenses. Si on a des quêtes comme sur Clash of Clans, on aura des récompenses. Alors voilà, après les récompenses, je sais pas encore. Mais bon, ça sent du lourd. Ça sent vraiment du lourd. Sûrement des nouvelles cartes aussi, parce que là vous voyez que la prochaine carte qui sort. Alors attendez, la prochaine carte qui sort, elle est dans 11 jours. Quand je suis en train de faire la vidéo, elle est dans 11 jours. Et puis après il y a une autre carte qui devrait sortir, on va dire dans une ou deux semaines, dans un défi, puis après sortira vraiment dans 2 semaines. Donc je pense dans à peu près un mois, c'est-à-dire en gros pour les vacances, pour les prochaines vacances, à mon avis, nouvelles cartes qui vont être annoncées, et puis avec ça, les quêtes et les nouveaux coffres. Donc voilà, vraiment une petite nouveauté, je tenais à vous en faire part, et donc là on va tout de suite se retrouver du coup pour un petit pack opening sur mon compte. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouveautés, des prochaines nouveautés qui vont arriver. Donc là on se retrouve directement sur mon petit compte. Donc nous voilà sur le compte. Donc je vais faire un petit pack opening vite fait là pour finir cette vidéo. Mais en tout cas voilà, ça fait vraiment plaisir toutes ces nouveautés. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas encore une fois pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant voilà, de toutes ces nouveautés. Vraiment voilà, ça va arriver bientôt. Normalement je pense pour les vacances ça devrait arriver. On devrait avoir ça fin octobre. Toutes ces petites nouveautés. Donc là on va faire le petit pack opening. Alors j'ai un coffre magique. J'ai des petits coffres. Donc on commence, coffre en argent, c'est parti. On a 83 d'or, un guérison et 12 esprits de feu. C'est pas ouf hein, pour ce petit coffre en argent. Après ça reste un coffre en argent, mais tout de même c'est pas ouf. Coffre gratuit, c'est parti. Donc on a quoi? On a 3 cartes, attention, 87 d'or, 3 cartes ou 10 zap ou 2 T2. On aura une épique, ouais, petite tournade. Petite tournade, donc voilà, une épique, c'était quasiment sûr vu qu'on avait eu 3 cartes et pas de gemmes. Donc voilà pour ce coffre gratuit, on a une petite épique, on va se faire le petit coffre en or, puis après le coffre de défi. Donc 217 d'or, 3 bombardiers, 8 esprits de glace, 26 Tesla, et pour finir nous avons 4 roquettes. Ok, donc là on va se faire le coffre de défi. Bon, j'ai fait qu'une victoire, dommage. Donc 1000 d'or, quasiment, 6 zap. 7 esprits de glace et nous avons 3 mousquetaires, on a 2 cartes de 3 mousquetaires. Donc là il nous reste 3 petits coffres. Allez, coffre à couronne, c'est parti. 600 d'or, 2 gemmes, une flèche, une seule, c'est tout. 8 cabanes de gobelins, ensuite 72 archers. Et pour finir nous avons, oh, de l'épique, tiens. Encore une épique dans ce pack opening, donc armée de squelettes. Juste une, c'est dommage, mais bon, ça reste quand même une armée de squelettes.
Donc là, il nous reste coffre magique et coffre de clan. On va faire le coffre de clan parce qu'on a fait que 4 sur 10. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, il y a de la place. S'il faut, je descends les trophées sans problème. Donc c'est parti, on n'aura que 8 rares, même pas d'épique dedans. Vraiment déçu. Hein. En ce moment, dans le clan, ils sont pas très très actifs. Et voilà, donc. Mais je pense que la mise à jour va vraiment redonner du peps à Clash Royale avec toutes ces nouveautés et sûrement des nouvelles cartes. Ça a pas été annon... Les nouvelles cartes n'ont pas été annoncées, mais je pense qu'il y aura des nouvelles cartes. Vu que là, les deux nouvelles cartes qui vont sortir bah, seront. Enfin, toutes les nouvelles cartes qui ont été annoncées vont sortir ou seront sorties. Donc je pense qu'il y aura des nouvelles cartes. En plus, ces nouvelles cartes-là ont été annoncées, je crois, en mai, avril-mai. Et ils ont mis beaucoup de temps, comme vous savez, à sortir. Donc moi, je pense qu'il y aura des nouvelles cartes. Donc là, 504 d'or, 17 barbares d'élite, 19 esprits de glace, 39 zap, 8 trois mousquetaires. Je sens une petite épique. Je sens une petite épique, même si ça n'a pas été annoncé dans la récompense. Ouais, petit prince. Ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Parce qu'ils l'ont pas annoncé. C'est quand même un coffre de niveau 4, donc c'est pas ouf. Et on a un prince, donc une carte épique. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Pour un coffre de niveau 4, je trouve que c'est relativement pas mal. Donc on a 504 d'or. Donc là, ben, le coffre magique que j'ai obtenu il y a pas très longtemps. Je l'ai obtenu ben, hier. Du coup voilà, j'ai vu ça, j'ai fait tiens. Parce que ça faisait longtemps que j'ai pas gardé Stat Royale. Du coup, là, attendez, je regardais vite fait là, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé Stat Royale. Et du coup, quand j'ai vu ça, je fais ah tiens, bah, tant mieux, je vais avoir un petit coffre magique, c'est cool. Donc là, je regarde vite fait, donc là, dans bientôt, j'ai un coffre géant. Après, un coffre épique et un coffre magique. Donc voilà pour vous dire. Et puis, la prochaine offre du coffre légendaire, elle n'est pas inscrite pour l'instant. Bon, a priori, pour l'instant, rien de nouveau. Pas d'offre au niveau des coffres légendaires qui est ici. Donc d'ailleurs les offres, mais bon moi j'ai pas assez de sponsors pour me les acheter. Mais en tout cas il y a les offres. Donc là on va se faire le pack opening du coffre magique, c'est parti. Donc on a 1200 d'or, 11 gangs de gobelins, 33 archers, 5 béliers de combat, 7 3 mousquetaires, 50 bombardiers, on a eu rare, on a eu commune, on a eu... c'est tout. Épique, non dommage, 13 Valkyrie, et pour finir donc de l'épique, bah, j'espère pas mal d'épique, 4 fuyeux gobelins, niveau 5, 5 sur 50, bon c'est pas ouf pour ce coffre magique, j'aurais bien sûr aimé mieux que ça, on a quand même eu 1200 d'or, ça reste quand même pas mal 1200 d'or pour la prochaine vidéo pour augmenter les cartes, mais bon, j'aurais préféré bien sûr une petite légendaire dans un coffre magique, ça aurait pas été de refus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Pour ceux qui veulent venir dans le clan, n'hésitez pas. Je vous laisse comme ça pour le hashtag pour ceux qui veulent venir. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu encore une fois, à commenter la vidéo et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao. Juste avant de finir la vidéo, c'est pour encore faire une petite pub pour ma chaîne secondaire que j'ai créée récemment. Donc ma chaîne de voitures vlog, enfin... En gros, deux voitures où je donne des astuces. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, ben je vous remets donc. Enfin, je vous refais une pub pour cette chaîne là. Je vous mettrai bien sûr le lien de la chaîne en description. Je vous mettrai peut-être une petite fiche et également une petite vidéo à l'écran que vous pourrez aller voir. C'est pour l'instant la seule vidéo qu'il y a donc sur cette chaîne là. Et puis il y aura plein d'autres vidéos comme j'ai parlé sur la première vidéo de la chaîne. Et également la vidéo que j'ai faite juste avant celle-là, donc la précédente par rapport à celle-là sur ma chaîne. Mais donc voilà, il y aura vraiment pas mal de choses sur cette chaîne-là. Donc voilà, ce sera vraiment une chaîne basée sur la voiture en quelque sorte, le vlog en voiture, des astuces, des petites anecdotes en conduite, le permis, etc., les heures de code. Donc voilà, vraiment pas mal de choses très intéressantes. Donc je vous invite à vous abonner. Vraiment, si on atteint le cap des 300 abonnés, ce serait cool. Là, je crois qu'on est 70 ou 80. Par là, en gros, ben, il en manque 220 pour arriver à 300 abonnés. C'est un peu mon objectif. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo déjà d'une part. À partager la nouvelle chaîne et cette chaîne-là aussi. Mais voilà, surtout la nouvelle chaîne pour qu'on atteigne les 300 abonnés. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour la fin. Donc voilà, n'hésitez encore une fois pas à laisser, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, même sur la nouvelle vidéo, la nouvelle chaîne, à vous abonner, donc à laisser le pouce bleu et à commenter la vidéo. Mettez ce que vous voulez, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle chaîne, ce nouveau concept et cette nouvelle vidéo. Donc voilà,
On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.